Salut, alors là on vient d'arriver en fait aux Asturies. Alors les Asturies c'est une petite région d'Espagne qui est pas très connue, un peu sous-cotée même on va dire. C'est une région, bah, vous allez le voir hein, dans tout le long du vlog, mais où il y a très nature, il y a l'océan, parce que c'est dans le nord de l'Espagne, dans le nord-ouest, donc il y a l'océan, mais il y a également de la montagne, il y a des lacs, il y a des rivières, la nature, il y a énormément de choses et moi c'est une région que j'adore, qui me tient particulièrement à cœur et c'est pour ça qu'on est là. Dans cet appartement, parce que ma grand-mère, quoi, mes grands-parents viennent de cette région, on est dans l'appartement de ma grand-mère là pour une semaine, et du coup, on va vous faire visiter cette région et tous ses trésors. Le programme, c'est demain, on part à la montagne, donc au Pic d'Europe, qui est un des plus grands massifs montagneux d'Espagne, qui doit s'élever à quelque chose comme 2000 mètres d'altitude, qui est un peu dans le prolongement des Pyrénées, et on va aller faire 2 jours de randonnée, donc on va dormir dans un refuge demain soir, et on va faire une randonnée sur 2 jours à travers la montagne. En montant sur les plus hauts sommets, et bref, vous allez voir ça va être super. On se retrouve demain. Prête? Ouais, c'est parti. Là, on est parti depuis quoi? Ça fait combien de temps? Ça fait 1h15. Ça fait combien de kilomètres? 4. Ok, 4 km. Il nous en reste encore 10 facile. Et pour l'instant, ça va? Ouais. Il fait chaud? Oui. Mais c'est super beau. On vient de traverser plein de troupeaux de vaches. On est au milieu de la montagne. Donc, ouais, vous avez vu les images de toute façon. Ça va? Oui, il fait chaud. Ouais, on est un peu chaud. On est à peu près à 4 km du refuge là. Et Asturies, c'est un endroit un peu comme on appelle ça la Bretagne espagnole, où il pleut souvent, où il fait souvent gris, autour de 20 degrés. Et là, aujourd'hui, il fait très chaud. Le ciel est super bleu. Et, en fait, on est au-dessus des nuages tout simplement, et du coup, là, on se prend le soleil en pleine face. Ouais, il est peut-être que 25 degrés, mais avec les sacs et tout, il fait hyper chaud, mais c'est agréable. Au moins, on a une belle vue super dégagée et tout, donc c'est cool. Donc, on va terminer tranquille d'arriver au refuge. Allez, à toutes. Voilà, enfin, le refuge. Ça fait plaisir de le voir quand même. Hop là, je vous récupère en voix parce que j'ai pas pu enregistrer à cet endroit-là, il y avait beaucoup trop de vent. Mais le soir après, du coup, on est parti du refuge, on a été prendre le pique-nique sur un point de vue qui s'appelle le Mirador de Ordiales. On nous l'avait conseillé parce qu'apparemment c'est un des plus beaux points de vue d'Espagne. Et je sais pas vraiment comment ça va rendre en vidéo, mais en tout cas c'était vraiment vraiment incroyable. Donc je vous laisse en profiter.
Coucou. Bon. 7h du mat. Tu réveilles un peu compliqué. Orage toute la nuit. Les vaches avec leurs cloches. C'est un poney. C'est un poney, du coup. Et les vaches, ça a été, c'était vraiment les gens qui remplent. Et les gens du refuge qui remplent, ouais. Et aussi qui se sont tous levés autour de 5h45 à peu près. Non, 5h. Ils ont juste mis une heure à préparer. Ok. Ils ont allumé la lumière plusieurs fois. Cool. Sans faire exprès. Sans faire exprès. Bah oui, en vrai, parce qu'ils ne sont pas servis à chaque fois. Ouais. Donc je sais pas trop pourquoi. Et surtout, ils ont mis 50 minutes à se préparer. Ça non plus, je sais pas trop comment c'est possible. My love was lost. Hey, hey, where'd you go? But now we found. Oh yeah. Where'd you go? Was doing a happy dance. Oh my god, that's just doing a happy dance. Was it gone? Doing a happy dance. Yeah. My love was lost. Where'd you go? What you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave. Now you're gone. Yeah. All I got is this damn song. So I can't feel, but I can't touch. You said my love was a bit too much. Broke my heart, can't find no curse. So why don't you come on back home? Hey, I'm a fucking workaholic with a passion in my heart. Treating rapping as an art of which you have to be a part of. I just copped a new car to hear it start up. Try to do the right thing and please come on. All I want to know is where the fuck did you have to go? I've been waiting on you, baby. Why don't you leave and come on home? I can't be mad, I'm living my dream. Going all around the globe. Yo, on vient de redescendre des lacs. Fini la randonnée. C'était cool. On a appris pas mal de choses. Enfin, c'était la première fois qu'on faisait ça et qu'on allait dormir en refuge et qu'on faisait une rando, on va dire, sur plusieurs jours. Donc on avait fait un petit truc, on voulait pas trop en faire, on n'a pas fait énormément de kilomètres. On a fait quand même pas mal de marches, on a fait à peu près 5 heures le premier jour et 5 heures le deuxième jour. Là maintenant du coup on est à Covadonga, donc on était au lac de Covadonga, maintenant on est vraiment à Covadonga. Donc c'est un lieu un peu sacré. Donc il y a de l'eau sacrée, je sais plus exactement, j'aurais peur de dire de bêtises, mais la Vierge est apparue, je crois, ici. En tout cas, c'est un endroit de pèlerinage un peu comme Lourdes en France, où les Espagnols chrétiens viennent faire leur pèlerinage. Donc c'est assez joli, vous allez voir. Ensuite, on va redescendre dans la ville en dessous, à Cangas de Onís, la ville qui est hyper connue parce que c'est la ville où il y a le pont avec la croix dessous, qui est la croix des Asturies. Donc qu'on voit sur toutes les photos des Asturies et tout. Donc, assez cool aussi, on va faire tout ça. Allez, c'est parti. So I've been fucking all these hoes, and I've been blowing all this cash. Cause maybe this just the beginning, and I'ma make all of it back. Where'd you go? What you do? How the hell you made me fall in love with you? And then you leave, now you're gone. All I got is this damn song, so I can't hear. Mea culpa. Alors, c'est bien un lieu de pèlerinage, mais en fait ça n'a rien à voir avec une histoire de vierge ou quoi que ce soit. C'est ici qu'a eu lieu la bataille donc, dite de Covadonga. C'est le roi Pelayo, donc cet homme, qui a vaincu pour la première fois les Arabes. C'était au 8e siècle. Et ça a été le début de ce qu'on a appelé en Espagne la Reconquista.
qui s'est terminée 7 siècles plus tard, donc au 15e siècle, avec la prise de Grenade. Voilà. Comment vous allez faire ça? C'est les gars. Ah ouais, les prod. Salut. Alors, troisième jour aux Asturies. Donc ce matin, on a été courir et tout un peu. Là, on va à la plage à pied. Cet après-midi, on va aller à Villette. Donc voilà, on va aller visiter un peu, se promener dans les rues et manger là-bas ce soir. Allez, on remonte ça. My lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it was a fan de fromage qui arrive au paradis. Salut, salut, quatrième jour ici aux Asturies. Une journée pluvieuse aujourd'hui. Voilà, on avait prévu d'aller faire une grande rando qui était censée être la plus belle rando des Asturies. Finalement, la météo, on a décidé autrement. Du coup, on va décaler ça à demain. Demain, ils annoncent super beau. Après, on peut pas vraiment se plaindre. Pour l'instant, on avait eu un super beau temps. Alors que c'est vrai que les Asturies sont connues pour être une région où il y a quand même pas mal de pluie. Donc, c'est pas très grave. On s'adapte. On voulait aller à la plage ce matin. On voulait y aller à pied. Bon, finalement, on y est venu en voiture. On voulait pique-niquer au bord de l'eau, finalement on va sûrement manger dans la voiture. Mais c'est pas très grave, on va quand même en profiter un peu. Et cet après-midi on va aller faire un petit tour à Oviedo pour visiter la ville. Allez, c'est parti. Bon bah, matinée bien réussie. On a fait le pique-nique dans la voiture du coup. Et on voulait aller se baigner et c'est drapeau rouge. Du coup on peut pas aller se baigner. Donc bon, on va rentrer à l'appart et partir à Oviedo. Voilà. Ouais. On va faire un tatouage. Un tatouage de la voiture. Ouais. Salut, il est 7h30, on s'est levé un peu de bonne heure ce matin parce qu'on part un peu loin, vraiment, mais surtout parce qu'on part faire une randonnée un peu longue, un peu plus de 20 km, autour de 22 km je crois.
Mais c'est censé être la randonnée la plus belle des Asturies. Donc bah j'espère que ça va valoir le coup. On va aller voir ça tout de suite. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. J'avais oublié de faire le débrief de cette journée-là, du coup je le fais maintenant en voix off, c'est pas très grave. Bon, la rando du coup c'était vraiment super. Je sais pas pourquoi j'ai pas tellement de vidéos que ça, donc c'est pour ça que je vous ai rajouté quelques photos. Il y avait quand même pas mal de monde, mais c'était vraiment super beau, donc ça valait le coup. Je vous mets toutes les informations dans la description pour le lieu exact et tout ça. Bon, et nous, on arrive au bout de notre séjour. C'est notre dernière soirée tous les deux. Demain, il y a ma famille qui nous rejoint. Mais voilà, pour la dernière soirée, on a été se poser sur la plage, manger des pizzas. On va encore rester quelques jours ici sur place, mais je vais arrêter de filmer un petit peu et on va en profiter.